Dites-nous comment l'enduro du Touquet Pas-de-Calais aide à rayonner aussi la Côte d'Opale à travers la France et puis aussi au-delà des frontières. Très bien, écoutez, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que moi j'ai passé mon permis moto à 16 ans, j'avais une 125 et j'ai toujours eu une moto à la maison. Et c'est vrai que chaque année quand je vois arriver l'enduro, je me dis que j'ai très envie de le faire. Alors peut-être que vintage, et peut-être pour les 50 ans, pourquoi pas. Alors si vous avez l'un d'entre vous une moto à me prêter, je suis tout à fait partant, ou en tous les cas, il va falloir qu'il me manque que la moto. Après le... Ça ne vous inquiétez pas, on va trouver. Et un peu d'entraînement. Non, vous avez compris ici, tous ceux qui sont ici, nous aimons la moto, nous défendons la moto. Moi, je le fais en tant que député à l'Assemblée nationale. Vous savez que régulièrement, il y a des menaces sur les sports mécaniques et avec la Fédération française de moto qui m'alerte à chaque fois. Voilà, je suis dans l'hémicycle à déposer des amendements et à défendre évidemment la moto et les sports mécaniques en tant que parlementaire, tout comme j'ai défendu ici l'enduro, vous le savez, en tant que maire. Alors j'étais maire de cette ville de 2008 à 2017, c'est Mia Lucignol qui m'a succédé, mais je reste dans l'équipe municipale, et je pense qu'en 10 ans, on a fait vraiment du bon travail, parce que il y a 10 ans, l'enduro était menacé, on pouvait douter de son avenir. Aujourd'hui, on ne doute plus de l'avenir de l'enduro, et l'enduro est parfaitement bien relancé. Sur 3 jours, avec les épreuves de jeunes, avec l'enduro vintage dont parlait Madame le maire, et avec aussi voilà, une fréquentation qui n'a cessé d'augmenter, et Denis Calloin le disait, mais on a battu des records en termes d'inscription. Alors pour la course de dimanche, 1200 pilotes inscrits en 48 heures, 72 heures, 500 pilotes pour le vintage, c'est un vrai succès. Je pense qu'on peut tous être rassurés, voilà, ces années noires sont derrière nous et l'avenir de l'enduro est vraiment assuré et garanti. Et c'est très important parce que c'est important pour le Touquet, Madame le maire l'a dit, c'est important pour la Côte d'Opale et c'est important pour le Pas-de-Calais. Moi je suis député du Pas-de-Calais, vous voyez comment on nous décrit à Paris, je pense qu'on peut être fier d'organiser des manifestations comme celle-ci et de leur dire que les petits gars du Pas-de-Calais, ben, peuvent dire tout ce qu'ils veulent à Paris, n'empêche que c'est dans notre département qu'on organise la plus grande compétition sportive de France. Alors quand je dis ça, on me dit « Oui, mais Monsieur Fasquelle, il y a le Tour de France. » Le Tour de France, c'est sur un mois. « Oui, mais il y a les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est 70 000 spectateurs. C'est pas 500 000 spectateurs. » Donc on peut être fier d'organiser dans le nord de la France, dans le nord, dans le Pas-de-Calais, voilà, eh bien, une manifestation de cette importance. Et grâce d'ailleurs à l'enduro, le Touquet, mais également la Côte d'Opale et le Pas-de-Calais sont connus en Europe et partout dans le monde, y compris en Argentine, par exemple, où on parle beaucoup de l'enduro du Touquet au moment du Dakar. Et ça, c'est vraiment très, très important. Puis je voudrais simplement ajouter une chose par rapport à tout ce qui a été dit, et c'est très important, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire, derrière le monde de la moto, il y a une économie dont on a besoin. Il y a des emplois dont on a besoin. Parce que derrière les pilotes, eh bien, il y a des constructeurs qui mettent en avant leur modèle. Et c'est toute une économie, l'économie de la moto, qui est importante. Il y a les revendeurs de motos, il y a les revendeurs de pièces détachées, il y a ceux qui travaillent. C'est aussi énormément d'emplois, et on ne le dit pas assez souvent. Et derrière l'enduro, c'est aussi beaucoup d'emplois. Et si on se bat ici pour l'enduro, c'est parce que, évidemment, c'est important, parce qu'on aime la moto, on aime le sport, les sports mécaniques, on aime cet événement qui est un événement populaire, l'un des plus appréciés de la région, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui en dépendent. Sans l'enduro, c'est pas seulement Touquet, dans tous les environs, eh bien, il y a des hôtels, des commerces, des restaurants qui ne pourraient pas être ouverts toute l'année, alors qu'ils sont ouverts toute l'année. Il y a des emplois qui seraient des emplois saisonniers, alors que grâce à l'enduro, ce sont des emplois à l'année. Et ça, c'est très très important, il faut dire et le répéter à ceux qui voilà, restent malgré tout hostiles à l'enduro. L'enduro, c'est important parce que c'est une fête sportive, c'est une fête populaire, mais c'est également, voilà, derrière l'enduro, des emplois, une activité économique, il faut à tout prix s'attacher à préserver. Vous voyez, si vous rencontrez encore des adversaires de l'enduro, je pense qu'il y en a de moins en moins, vous avez tous les arguments pour leur dire qu'ils se trompent et que pour les faire changer d'avis, bah, qu'ils viennent passer 3 jours ici et puis ils seront comme vous, convaincus, amoureux du Touquet et de l'enduro. Merci. Eh bien, merci Daniel, merci d'avoir souligné cet aspect économique qui est effectivement très important au-delà de l'aspect environnemental. Donc Patrick Lamoureux nous a rejoint. Denis, peut-être un petit mot de notre président de commission. Patrick, président de la commission SAP de la Fédération Française de Moto, alors pris par ses obligations, nous rejoint maintenant. Un petit mot, on a parlé longuement du succès de cet événement qui clôt un championnat qui va très très bien. Oui, un championnat qui a battu des records, hein, pas seulement au Touquet, sur toutes les épreuves, puisqu'on a engagé pas loin de 6 000 pilotes sur les
l'ensemble des manifestations. Donc on peut remercier tous ces organisateurs, le Touquet en premier bien entendu, les 72 heures pour 1200 engagés, c'est fantastique. Donc je remercie Madame le maire, Monsieur Fasquel, de tout ce qu'ils font pour la moto, et surtout remercier notre direction de course, nos jurys, nos chronométreurs, j'insiste un petit peu, nos techniques. Donc merci à eux, d'œuvrer tout au long de la saison, pour cette magnifique saison que nous avons eue, et la prochaine sera certainement encore meilleure. Merci à vous.